come to do. Oh, glory is thy name. Glory is thy name. We glorify thy name in all the earth. Mesdames et messieurs, bienvenue. J'avais différents sujets que je voulais aborder. J'ai une liste de sujets. Et la radio était le septième. Le congédiement de Babu a précipité, si on peut dire, le sujet de la radio, qui est devenu la priorité. Vous comprendrez que la radio, c'est toute ma vie, moi. Je vais revenir à la radio. Je ne vais pas trop donner de détails en ce moment parce que l'émission va être assez longue. Il n'y a pas juste des mauvais moments dans la radio. Là, j'essaie de mettre des bons moments, un petit peu de bonheur à travers ça. Je demande aux autres de mettre du bonheur. J'essaie, moi, de mon côté, d'en mettre parce que je vais aborder des sujets pas mal plus difficiles. Je sais que les sujets que j'aborde sont lourds, mais c'est essentiel. Il faut que quelqu'un en parle. J'expliquerai pourquoi au fil des différentes vidéos que je vais faire par la suite. Vous allez comprendre pourquoi. On a un problème de société, puis pas juste de société, un problème d'autorité, un problème humain. Puis je vous ai dit que j'ai perdu beaucoup de gens, presque 4000 personnes présentement. Je les ai toutes comptées, là. Je veux pas donner le nombre, là, mais je suis pas loin de 4000. Là. Des gens que j'ai connus. C'est attendu, je voyais 500 000 personnes par année. Quelqu'un qui m'écrivait l'autre jour, parce que lors de mon show, j'ai parlé de ça, il pensait que je donnais des shows pour 500 000 personnes. Non, ça m'est jamais arrivé. J'aurais drôlement apprécié, par exemple, mais c'est rien qu'au niveau des médias internationaux, évidemment, que je suis plus connu, c'est des millions de personnes, puis à ma grande surprise depuis que je suis sur le web, mais je vais revenir là-dessus. Je veux pas trop m'éloigner, c'est juste pour vous dire que la radio nous amène des moments de bonheur, puis c'est pour ça que j'y tiens. J'étais un gars de radio, comme je vous dis, je vais vous donner d'autres détails, vous allez comprendre. La première chose qui m'a servi d'information à l'orphelinat et en sortant de l'orphelinat, c'est la radio. C'est ce qui est plus accessible. J'ai eu des bons moments, dont celui d'aujourd'hui. Je vous ai dit que j'aimais Yann Marceau. Yann Marceau, vous allez comprendre pourquoi maintenant. Premièrement, Yann Marceau ne blasphème pas. C'est la première des choses qui est très importante. Je check ça de cet incite, puis je vais vous expliquer pourquoi plus tard. En même temps, Yann Marceau est humain. C'est le plus humain de la gang. Là. J'écoute d'autres stations de radio aussi, je vais vous avouer, parce que j'ai besoin de ça pour mon information, puis pour ce que je suis en train de faire comme travail. Mais la principale, c'est toujours Radio X. Puis j'insiste pour l'écouter. Je sais qu'il y en a qui me disent « Arrête d'écouter ça », mais c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes dans la vie, en arrêtant puis en fermant le biton. Puis ça, c'est pour toutes les facettes de la vie. Des fois, il faut faire face à la musique, puis il faut arrêter de jouer à l'autruche, puis de se mettre la tête dans le sable. Mais il y a des gens qui nous font vibrer. Il y a des gens qui peuvent nous servir de modèle. J'ai de l'émotion parce que j'ai beaucoup de respect pour les militaires. Ces gens-là ont donné leur vie puis ont tout sacrifié. Ces gens-là ont été blessés, ont souffert jusqu'à leur mort, jusqu'à la fin de leur jour. Il en est un que j'ai eu la chance, j'en ai connu plusieurs, là. Excusez, je pleure à chaudes larmes parce que c'est touchant. Il est passé, comme beaucoup d'anciens combattants, dans l'oubli presque total, mais quelques-uns ont jamais oublié Léo Major. Cet homme-là a combattu pour notre liberté, a donné sa santé pour notre liberté. Ce gars-là a eu des blessures corporelles épouvantables. C'est très dur d'en parler, mais j'ai eu la chance de le connaître. À la fin des années 60, alors que j'étais petit gars, grâce à une religieuse, j'avais à peu près 7 à 8 ans, j'ai touché à ses blessures. Puis, il y en a un qui en a parlé. Un seul. Il n'y a pas un autre animateur de Radio X qui en a parlé. C'est Yann Marceau. Et Yann m'a ravivé des souvenirs, comme une plaie. Parce que quand j'étais petit gars, ben, on était impressionnés, on est des enfants. Puis ce monsieur-là est venu en classe. Puis aujourd'hui, ben, il est mort. Toute sa vie, il a souffert. Puis toutes ces blessures-là, là, il les a eues. C'est pour qu'on ait la liberté de parole, de pensée, de religion et tout le reste. Que des gars comme Léo Major ont été sacrifiés. C'est important de ne pas les oublier. Merci à Yann Marceau de m'avoir permis d'en parler pour le bon plaisir des auditeurs, afin que le respect des militaires continue à grandir. Il y en a qui me disent « Ah, les militaires, tu les aimes, mais c'est tous des salauds, puis c'est tous des... » Peu importe, ces gens-là ont été prêts à faire ce que la majorité d'entre vous ne feriez pas. Parce que les jeunes aujourd'hui pensent que ça vaut rien de se battre pour la liberté. Mais pas se battre pour le fun, là, pas aller au Parlement puis avec des pancartes. Là. Non, non, aller à la guerre, de prendre les armes. Ce gars-là a même été dans un char, dans un véhicule où il y a eu une mine, puis ça a sauté. Il en est sorti en vie, mais les os tout brisés dans le corps, la colonne vertébrale, puis le bas du bassin fracturé. Puis je l'ai vu, là, ce que je vous compte là. Je l'ai vu en 1968. Il y en a qui vont me dire, ben
Hey, c'est dramatique, les enfants, il faut faire attention. Non, 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 non. Les enfants doivent voir une réalité. Puis à mon époque, on la voyait, cette réalité-là. Puis ça nous forme le caractère. Ça nous montre les vraies choses de la vie qu'il ne faut pas ignorer. Ces choses-là sont autour de nous, sont évidentes. Fait que je ne retarde pas plus parce que le témoignage est assez long. Je parle aussi d'une couple de personnes qui sont décédées, que je ne verrai plus jamais. Alors, tout de suite, on passe avec Yann et moi, son interlocuteur, au téléphone. En écoutant, bien, essayez d'avoir, s'il vous plaît, une pensée pour tous ceux qui sont décédés aujourd'hui puis qui ont donné leur vie. Alors, mesdames, messieurs, voici cette conversation que nous avons eue sur les ondes de Radio X, qui est supposée être une radio poubelle, puis c'est pas toujours de la poubelle. En voici la preuve. Moi, l'équité, je suis pour ça. La compétition, je suis pour ça. Je voudrais juste cesser de payer des taxes sur certains produits. Ce serait avantageux pour nous. Allô, Radio X? Allô! Salut! C'est pas l'eau. Salut, Paulo. Hey, la semaine passée, j'ai essayé d'avoir de la ligne, mais j'ai pas pu. Je vais t'en parler, mais j'ai quelque chose à te dire en même temps. Avec ce que tu viens de dire, je pense que tu viens de faire une bonne entrée en matière. Je passerai pas toute la conversation là-dessus, mais je peux te dire qu'il y a bien des choses qu'on pourrait arrêter de taxer au Québec, notamment, OK? Et je dis notamment, péjorativement, je devrais dire, tout ce qui nous rentre dans la bouche, tout ce qui sert à nous nourrir, qui est ouais. essentiel à la vie, il ouais. faudrait enlever les SRB de taxes là-dessus, ça n'a pas d'allure. Ouais, pour aider le monde qui n'ont pas d'argent pour se nourrir. Pas rien que ça, pas rien que ça. C'est essentiel à la vie, s'alimenter. Mm-hmm. Batèche, on peut-tu arrêter de taxer ça au Québec, là? C'est pas le fait de restauration ou pas. Ils ont commencé à taxer les restaurants pour dire, ah ben c'est un luxe. C'est pas ça l'affaire, là. Que ce soit un luxe ou pas, ça nous rentre dans la bouche. C'est essentiel à la vie. Même l'eau, t'achètes une bouteille d'eau, un taxé, je vois le verre. Qu'est-ce qu'il y a de plus essentiel à la vie que l'eau? C'est la base. Notre corps est constitué de 90% d'eau. Tu sais, à un moment donné, il y a un gars là, j'avais appelé un soir, je me rappelle, et puis je pense que ça fait peut-être 3 semaines. Il y a un gars qui a appelé après, puis il dit, coudonc, Paulo, il a réponse à tout. Il doit avoir de l'argent, Paulo. Non, j'ai étudié toute ma vie. Ça fait 37 ans que j'étudie. Là, je suis en train de suivre 3 cours. C'est pour ça que tu n'entends pas parler de moi sur Internet, là. Je travaille sur quelque chose, je suis en train de suivre 3 cours. Toute ma vie, j'ai étudié, je suis un curieux. Les gens disent que je suis un génie. Depuis que je suis jeune, qu'on me dit que je suis un génie. Moi, quand j'ai vu l'Internet arriver, là, Yannick, là, veux-tu me dire une bonne chose? Mm-hmm. Plus t'en sais, plus tu t'aperçois que tu sais rien. En d'autres mots, t'arrêtes pas d'apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre pour quelqu'un qui veut apprendre. Toujours. Au lieu d'aller d'un bar, de se péter la gueule devant une bouteille de vin, puis de prendre le volant après ça, là, comme ce qui est arrivé récemment, là, les manchettes. Ouais. Bon, ben, moi, j'étudie. Je fais des visites industrielles encore aujourd'hui. J'en ai fait des milliers de visites industrielles. J'ai voyagé beaucoup. Et c'est à ça que j'en viens. Mon sujet, Léo Major, tu oui. le connais? Oui. T'en as parlé la semaine passée. Tu l'as-tu vu en personne, toi? Je n'ai jamais eu la chance de rencontrer Léo Major en personne. OK, moi, je pensais que tu le connaissais en personne. Moi, je l'ai connu. Puis, c'est pas vrai qu'il n'allait pas dans les écoles. Il est venu à l'institution Monseigneur Guy. Okay. Avec Sœur Anita, qui était notre religieuse de professeur de géographie à l'époque. Et elle aimait beaucoup, elle se contentait pas de nous enseigner la géographie, elle nous enseignait, si on peut dire, l'histoire des deux grandes guerres mondiales, notamment celle de 14-18 et celle de 39-45, là où ce monsieur-là a fait ses bonnes actions. Et j'ai une badge de lui dans ma collection. Moi, il m'a donné une badge du 22e régiment. J'ai vu ce personnage-là, moi, j'étais petit gars, là, j'avais, tu sais, je suis né au monde en 62, j'avais 8 ans, là, c'est quelque chose, là, je me rappelle encore, j'ai un côte de lui aussi, un côte de laine, parce que les uniformes de la guerre, dans ce temps-là, étaient en laine. Mm. J'ai une vareuse, elle me fait pas, évidemment, parce qu'il était pas gros, le bonhomme, là, il était vraiment pas gros, là. Et ça, là, quand t'as parlé de ça l'autre soir, j'ai tout fait pour avoir la ligne, pas capable d'avoir la ligne, parce que tout le monde accaparait le crachoir. Puis, je voulais tellement te dire ça, j'ai eu la chance de connaître ce gars-là, à cause de Sœur Anita. Puis, à un moment donné, quand je suis allé au Mont-Saint-Aubert, il est venu me revoir, il s'était attaché à moi, il m'avait aimé parce que j'aimais les uniformes. C'est pas d'aujourd'hui que j'aime les uniformes, j'étais enfant. Et il m'a donné une belle batch, puis il venait me voir au Mont-Saint-Aubert, puis ils l'ont interdit de venir me voir. Puis ça, j'ai pas aimé ça pantoute. Ce gars-là a été blessé, là. Il nous a montré des cicatrices en classe, parce qu'on était quand même... C'était pas des classes comme aujourd'hui, là, que t'as 50 jeunes pour un professeur. On était peut-être 10-12 en classe, là. Et puis on a pris la peine d'y toucher, d'y parler. Ce gars-là est extraordinaire. C'est un gars de Montréal. Et oui. Son père travaillait pour le CNR.
Et son père, ben, c'était tout un bonhomme, là. Et après ça, il a donné à l'orphelinat des billets de train. Pendant des années, on pouvait prendre le train pour à peu près rien. Je sais pas s'il voulait se racheter, le bonhomme, parce qu'il était dur avec son fils. Oui, ben, il y avait plusieurs enfants, mais effectivement, dans l'histoire qu'il nous a rapportée, le père était beaucoup plus dur avec Léo Major, puis il mentionnait à son fils qu'il allait jamais être capable de faire quoi que ce soit dans un milieu compétitif. Mais juste pour en revenir sur lui, pour les gens qui étaient pas là ce soir-là, quand on en a parlé pour se rappeler le jour du souvenir. L'armistice. Et... le débarquement en Normandie, on en a parlé un petit peu. On a parlé de la capture du Anomag, qui est un véhicule allemand. Donc, ça ressemble à un tank, là, si on veut. Oui, moi, je connais le genre de véhicule. Lui, ramener le tank aux soldats canadiens. Puis, il y avait des soldats aussi qui tiraient sur le tank jusqu'à temps que Léo Major sorte en disant « T'as peur, là, c'est moi qui est là-dedans, là. C'est pas des Allemands. » Il y a eu la perte de son œil gauche. Il y a eu la bataille à l'Escou où il a capturé à lui seul 93 soldats. Il y a eu, lors d'un transport, le véhicule dans lequel il était a pilé sur une mine. Le véhicule a explosé. Son dos a été brisé. Il y a eu des côtes cassées. Ça, c'est le 27... Ah, il a été blessé terriblement. Ça, c'est le 27 février 1945. Puis... un mois et demi plus tard, il y a eu la libération de Svolé à lui seul. Il s'est présenté avec un de ses amis en mission de reconnaissance. Son ami s'est fait descendre. Il a tiré sur les gens qui ont tué son ami. Et par la suite, il a dit, c'est pas vrai que je vais me sauver. Je vais m'attaquer aux 1000 soldats allemands qui sont à l'intérieur de cette ville-là, qui est à peu près de la grosseur. Il a tourné autour de l'île, puis il a tiré des charges puis des grenades tout le temps. C'est ça. Donc les Allemands pensaient qu'ils étaient qu'ils étaient entourés et ont décidé de sacrer le camp. Mais pendant la nuit, Léo Major a décidé d'aller visiter le quartier maître où les officiers allemands étaient. Il a descendu 4 ou 5 officiers allemands. Par la suite, en se sauvant, il a rencontré le quartier de la Gestapo. Il a décidé de flamber ça à grandeur. Et au petit matin, ben les Allemands ont eu peur, ont sacré le camp. Donc à lui seul, si on en croit l'histoire, il a libéré la ville de Duvalé. Oui, au complet. C'est une ville qui est à peu près de la dimension de Trois-Rivières, comme on disait, là, puis c'est vrai. C'est vrai, je suis allé, moi, là, dans ce coin-là. Il y a d'autres faits d'armes, là, de la guerre de Corée. Non, ça devrait être mis en film, ça. Moi, je connais très bien le gars. Je connais l'adjudant maître Lima aussi, qui était à la musique du Royal 22e Régiment. Ben, j'aime les uniformes, hein. Avec les gardes, je couche avec les uniformes, là. Fait que ces gars-là m'aiment, puis ils le savent. Puis à un moment donné, au 22e Régiment, j'étais allé enregistrer l'orchestre. Il avait fait un disque. C'est moi qui étais à la console, qui faisait le remixage du disque. Et puis, il était à l'extérieur. Et moi, c'est ma vue, parce que lui aussi, il avait un problème, parce que l'œil était parti, là. Il avait sa patente de plastique sur l'œil. Je m'en rappelle encore. Et c'est ça qui l'a attiré vers moi. Moi, j'étais collé dans mes livres parce que je suis myope, parce que je fais de l'hystagmus congénital. C'est ça, ma maladie. C'est une myopie. Par contre, j'ai l'œil très précis. Il a vu ça, puis il est venu jaser avec moi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Il a vu que ma famille, parce que moi, j'avais une famille, pour pas se cacher, je suis pas orphelin. Il y avait trois types de gens à l'orphelinat. Il y avait du socio-affectif, du déficient intellectuel, puis de l'orphelin pur et simple. Là. Mmh. Moi, j'étais dans la catégorie socio-affectif, c'est-à-dire que les parents se sont débarrassés de nous autres. Okay. Et ça l'a touché. Puis le fait que j'avais un handicap visuel aussi l'a touché. Et il m'a demandé, je me rappelle encore, comment tu compenses? Comment tu fais pour compenser? Ben là, j'ai dit, ça se fait tout seul. J'ai dit, j'ai un œil qui est plus faible que l'autre. Puis il se débranche. Puis j'étais petit gars, là. J'étais carrément petit cul, là. Je l'avoue. Puis là, il a vu mes patentes électriques dans le dortoir. Quand j'avais patenté justement mon récepteur à Galem, avec mes gros coils de fil en dessous du lit. Puis il regardait mes circuits. Il dit, t'es capable de faire des bombes, toi? Bon, j'ai dit, sûrement, monsieur. J'ai dit, oui, en explosif. Mais je suis pas amusé, mais j'aimerais ça. Il m'a emmené des plans, il m'a emmené des schémas, il m'a emmené des livres. Ce gars-là était tellement intéressant. Puis là, après ça, il est venu me voir, moi. Moi, puis un autre, Alban Bazin, qui est aujourd'hui décédé, qui est au Monseigneur Gay pour Mont-Saint-Aubert avec moi aussi. Il venait nous voir tous les deux. Puis à cause, justement, qu'on parlait d'armement, puis qu'on parlait de bombes, parce que moi, j'aimais les armes, je suis collectionneur d'uniformes, ça va ensemble, tu sais. Fait qu'ils ont empêché de venir au Mont-Saint-Aubert, à Saint-Ville. Là. Ça nous a fait de la peine. Ça, là, je vais vous dire, là. Je vais te dire, Yannick, là. Je voulais triper l'éducateur qui l'empêchait de venir. Mais là, il n'y avait rien à faire. Il n'avait plus le droit de venir. Puis, on était à côté de la base de Valcartier. Il venait à la base de Valcartier, lui.
Ben, il a eu son entraînement là avant de partir pour le régiment de la Chaudière. Il s'est entraîné à Valcartier. Oui, puis les gens de la guerre de Corée, il y avait une genre de ligne du Vieux-Poil à Valcartier. Peut-être que c'est encore là, malgré qu'ils sont tous morts aujourd'hui. Là. Louis Couture aussi, qui a fait la guerre de Corée, que j'ai bien connu. Un chanteur, la musique de ce que devait faire Mercier jouait, là, il les connaissait toutes. Là. Puis une grosse voix rauque, là, tu sais, comme les Américains. Là. De Verchères, Mercier, Monsieur Minuit. Ben oui, j'ai travaillé pour lui, j'ai travaillé chez eux. Il est mort aujourd'hui, je pense. Hein? Ah, s'il est mort, il y a peu de gens qui ont parlé de sa mort, mais alors c'est un gars qui était tellement connu. Ben oui, j'ai été faire de l'électricité chez eux. Il est comme mort dans l'oubli. Oui, ben c'est ça qui m'écœure, parce que j'ai été réparer son système de son. Tout le monde disait qu'il y avait un radio cristal dans son char, ben André Arthur notamment. Il est tellement vieux qu'il y a un radio cristal dans son char. Hey, il avait 35 ans, moi, quand je l'ai connu en 83 ou en 82. Il avait 30-35 ans. Puis la voix de ce gars-là, ça me donnait l'impression qu'il avait 70 ans. Quand je l'ai vu dans le corridor de CHRC, j'ai fait un saut. J'ai dit, c'est vous de Verchères Mercier? Il dit oui, parce que j'ai reconnu la voix. J'ai dit, vous êtes donc bien jeune. Il dit, oh oui, je suis jeune. J'en revenais pas. J'ai dit, vous avez un radio cristal dans votre char? Ah, ça, il dit, c'est des blagues, là. C'est André Payet puis Arthur qui disent ça. Tu veux-tu l'entendre, de Verchères? Hey, j'aimerais ça. T'as-tu un topo? Moi, Monsieur Minuit. Personnifié par De Verchères Mercier, Monsieur Minuit vous ouvre les portes du rêve, juste avant que la nuit vous étreigne. Souvenir, amitié, tendresse, voici De Verchères Mercier, Monsieur Minuit, à Chic FM. Bonne soirée. Avec les hommages de Belle Lumière Incorporée, le Grand Trianon Faux de la pharmacie Jean et Yves Boissineau. Votre Ginger Ale, le Canada Dry, les piscines Gonette de Québec. Le silencieux Gosselin Moffleux, le centre de santé Roger Carrier. La rôtisserie Québec Barbecue, le domaine des sœurs à Gâteau-Rouge. Fernand Morissette Incorporé, le Royaume du Disque. Et le bar Beauport, boulevard Sainte-Anne à Beauport. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite un très beau samedi soir et bienvenue à Monsieur Minuit. Nous allons revivre, par une très belle température, comme ce soir par exemple, de belles chansons, de la belle musique et les fameux 78 tours également. Eh bien, j'ai pensé de débuter l'émission avec une chanson du mois de mai. Ça, c'était le temps du muguet et c'est toujours le temps du muguet. C'est Jacques Pierce, avec ce merveilleux souvenir du moine. Ensuite, l'orchestre de Mantovani interprète, ça c'est un très grand succès des années 50, qui a pour titre Gondolier. Mantovani suivra. Mais tout d'abord, Jacques Pierce chante. Sa voix est incroyable, c'est un homme. J'adorais sa voix, ouais. Yannick, j'adorais sa voix, moi ce gars-là me faisait craquer. Puis quand je suis allé chez eux, là, ouais. Il m'a même chanté des choses. Il chantait aussi. Ah ouais. Pas grand monde qui le savait. C'est un gars qui a travaillé à Chic, qui a travaillé à CKCV, ensuite il a travaillé à CGRP, à CHRC en tant qu'annonceur puis représentant publicitaire. Il a eu une solide carrière en radio. Moi, j'étais technicien à CGRP dans le temps. On faisait des lignes balancées avec du fil de téléphone dans le temps. Là, ça fait longtemps de ça. Là. Puis il tripait, il me voyait aller, là, puis il tripait. Fait que quand il m'a emmené chez eux, là, j'ai réparé son système de son. J'ai collecté son système audiovisuel. Ce gars-là était à côté de moi, puis il me regardait. Puis il a vu entendre de la belle musique. J'ai dit, oh oui, monsieur. Oui, monsieur. Puis là, il sortait son espèce de vieux tourne-disque qu'il y avait, là. Mais il y avait un vieux pick-up. On appelait ça un pick-up dans le temps. C'était un tourne-disque que tu lèves le couvert. Moi, j'en ai un, là, mais il est à transistor. Il y en avait un à lampe. Puis quand j'y ai réparé, là, c'est comme si j'avais donné un million. T'aurais dû voir les yeux de ce gars-là, là. Il était brisé, il n'y avait plus rien. C'est une coupe de soudure que j'ai refaite, j'ai changé la lampe. Quand il a ouvert ça, il m'a fait jouer de la musique. Il m'a dit, là, je te garde à souper. Puis c'est incroyable le cadeau que j'ai fait à ce gars-là, mais la sonorité de ce pick-up-là, là, ben, c'est un tourne-disque, ni plus ni moins, mais on appelait ça un pick-up. C'est incroyable. Il y avait un beau son là-dedans. J'avais entendu ça, là. Ben, c'est exactement le son que tu viens de jouer, là. Ouais, il serait mort en 2006, là, si j'en crois les écrits qui sont devant mes yeux, là, des Verchères Mercier. Oui, il est mort. Je l'ai su, je venais de mourir. Moi. Il est décédé à l'Hôtel Dieu de Québec. Et puis, on dit qu'il est décédé incognito, à un âge vénérable. Moi, je l'ai su. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Je suis venu pour aller le visiter, puis il était décédé, c'était une couple de jours. Ouais.
comme le maire Pelletier. Jean Pelletier, c'est un ami. Il est mort d'un cancer aussi. Je pense qu'il est mort à Saint-Sacrement, Jean Pelletier. Ouais. Puis je l'ai su, puis il est mort aussi avant que j'arrive à l'hôpital. C'est des gens que j'adorais. C'est des gens que, en tout cas, pour qui j'avais beaucoup de respect de par leur fonction, de par ce qu'ils ont fait dans leur vie. Là. À bientôt. Bye bye. Le fun, c'est de la nostalgie sur Deverchère. Merci. Quelle belle voix.